Son visage ne vous dit rien, pourtant cet homme vient d'avouer un triple meurtre qui bouleverse l'Amérique. Il s'appelle William Balfour. Il a 27 ans, il a assassiné la mère, le frère et le neveu de l'actrice Jennifer Hudson. 1, 2, 3, musique ! Jennifer Hudson, un destin brisé. Une jeune actrice révélée dans Dreamgirls, un film à succès sorti l'an dernier. L'histoire d'un groupe de chanteuses partie de rien pour arriver au sommet de la gloire. À l'affiche des talents confirmés, Beyoncé, Eddie Murphy et Jennifer Hudson. Jennifer Hudson, c'est un peu l'incarnation du conte de fées Made in America. Elle part des quartiers sud de Chicago, du quartier d'Englewood, qui est réputé pour être l'un des quartiers les plus chauds de la ville. C'est une jeune chanteuse donc, qui chante sous sa douche, qui devient candidate au jeu American Idol, l'équivalent américain de la nouvelle star. Elle a vraiment séduit le public grâce à cette émission. Et après, elle a eu un contrat pour un film à Hollywood qu'elle a tourné avec Beyoncé et Eddie Murphy. Jennifer Hudson, c'est un peu le rêve américain. Un rêve qui vire au cauchemar le 24 octobre dernier. William Balfour pénètre dans la maison familiale des Hudson à Chicago et abat de sang-froid la mère et le frère de Jennifer Hudson. Et en fait, c'est sa sœur qui se rend au domicile dans la journée et qui découvre au rez-de-chaussée le cadavre de sa maman et ensuite à l'étage le cadavre de son frère. Tous les deux ont été tués par balle. Il n'y a à ce moment-là plus personne d'autre dans la maison et surtout il manque le neveu de Jennifer Hudson, Julian King, qui a 7 ans, qui a donc disparu à ce moment-là. William Balfour a enlevé le jeune garçon. 3 jours plus tard, on retrouve son corps criblé de balles dans sa camionnette. Le meurtrier présumé qui s'appelle William Balfour, qui venait d'ailleurs de sortir de prison pour déjà une affaire de meurtre, était l'ancien compagnon de Julia Hudson, qui est la sœur de Jennifer Hudson. Confondu par son arme, Balfour est inculpé pour le triple meurtre. Devant les preuves qui pèsent contre lui, il avoue. Mais pourquoi le beau-frère de Jennifer Hudson a-t-il commis un tel massacre ? Et il semblerait qu'il soit venu au domicile des Hudson pour régler un différend d'ordre familial et que ça ait très très mal tourné. En fait, il s'agirait d'un drame passionnel. Depuis quelques mois, William Balfour était séparé de Julia, la sœur de Jennifer Hudson. Julia avait un nouveau compagnon, William ne l'a pas supporté. Hollywood a été bouleversé, mais ça a bouleversé bien plus qu'Hollywood, puisqu'il se trouve que Jennifer Hudson est originaire de Chicago, que c'est aussi la ville de Barack Obama, que le couple Obama s'est fendu d'un message de soutien à Jennifer Hudson après les faits. William Balfour risque la peine de mort. Jennifer Hudson, très affectée, a remercié ses fans sur son site internet pour leur soutien dans cette terrible épreuve. Je veux remercier chacun d'entre vous pour vos pensées et vos prières en ces temps difficiles.